acheter un nouveau yacht, à ce que j'ai vu. Ah ouais, 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 attends, et celui-ci est triple moteur et tout, y a le personnel et tout, c'est incroyable, hein, franchement. C'est quoi la taille du pont? Oh, la taille du pont, au moins 400 mètres, hein. C'est n'importe quoi. 400 mètres. 400 mètres, je vois même plus l'horizon. Le week-end dernier, j'étais sur mon yacht, il en fait 450, enfin ah bon. Ah ouais, d'accord, ok, ça va. Oh, mais moi, je l'ai pas acheté d'occasion sur le bon coin aussi. Bon, ah, allez. Ça fait mal. On va aller voir, on va aller voir les clients, je veux dire les patients. Hein, ah, encore un qui a dégueulé. Oh non, mais oh! Il y a encore un qui a uriné dans le couloir. Martine! Martine, on avait dit que il fallait surveiller les patients, les clients, les patients, je veux dire. Bon alors, qu'est-ce qu'on a au nouveau réacteur? Bonjour Martine. Alors, on a du nouveau aujourd'hui ou pas? Oh, on a un villageois qui ne va pas bien du tout, il est juste là. Qu'est-ce qui lui arrive? Encore un coup du quoi? Bah, monsieur, comment il s'appelle? Il a pas dit son nom. D'accord, très bien. Oh, ça sort encore un coup de... Ça, c'est un nom de l'incarné, ça, c'est un panari, ça. Bon, alors, bonjour monsieur, excusez-moi. Apparemment, vous avez un petit problème, qu'est-ce qui se passe? Vous venez pour votre nez ou... Bon, je pense que je... Votre quoi? Ouais, c'est le nez, hein? C'est quoi le problème? Non, non, pas dit. Pourquoi t'es venu à l'hôpital? Là, j'ai mal au crâne. Au crâne? Ah bah oui, vu la taille du crâne, au je comprends. Crâne. Vous êtes quoi? Ouais. Vous êtes cogné? Non mais aidez-moi. Oui bah écoutez, vous avez quoi? On va vous ausculter. Hein, suivez-moi. D'accord. Suivez-moi, on a une pièce adaptée pour votre front. On va vous porter peut-être parce que je vois que vous êtes pas bien. On va le mettre sur le brancard, Roger. Hein. On commence à prendre des notes. Hein. T'inquiète pas. Du crâne, ah, vous sentez mieux là-dedans ou pas? Non, d'accord, désolé. Oh, le patient rougit, doit avoir un problème rougit. De température. Ouais. Ok, d'accord. Sors-nous la seringue. On aurait dû remonter ce plafond. Décidément. Ok. On vous met dans quelle pièce? Attendez. Je sais pas, c'est vous le médecin. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Ici, c'est bien, c'est bien. Okay. Je vous dépose ici, voilà. Très bien. Martine, bon. Il va nous falloir tout le nécessaire médical pour une urgence du crâne. Oui, d'accord, très bien, monsieur. Et aussi un café. Non, je déconne. C'est le pire. Ouais, et qu'il soit chaud cette fois-ci. Non, je lui donnerai une prime, elle la mérite bien quand même. Ok, bon. Alors, bon, voyons un petit peu. J'ai rien pensé pour ausculter. Attendez. Laissez-moi me mettre en ce qu'on appelle dans un terme médical en game mode. Je vais vérifier. Un petit peu, est-ce que nous aurions quelque chose pour voir un petit peu? Ouais, non, ça c'est pas trop mal. Ouais, les seringues. Comment on dit? De ce que je vois, les constantes sont plutôt bonnes. Hein. On c'est a bon. 91 de rythme cardiaque. Je me mets en survival, c'est intermédiaire. Attendez, laissez-moi jeter un œil un petit peu là. Oui, effectivement, okay. C'est un très gros nez. Je vois que c'est un très gros nez. Mais c'est pas ça le problème. Laissez-moi, attendez, vous avez encore des poils qui dépassent aux oreilles? Peut-être un coup de tondeuse? Non, ça de... Arrêtez! Voilà, c'est... Non, on va peut-être pas la démarrer tout de suite. Vous voulez voir quelque chose? On peut voir. Je vois que effectivement il y a un souci. Bon, c'est vrai. Ouais. Je pense que on devrait se laver les oreilles, monsieur. On peut pas les ausculter. Ouais. Bah, attendez, je vais essayer. J'arrive pas à péter mon trichoscope là. Donc merci. Bon, je pense que je n'ai qu'une solution. On va devoir utiliser une nouvelle technologie qui nous permet de s'insérer dans votre tête. Pourquoi vous avez une fleur? C'est. Je sais pas. Ah, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention. On s'arrête vous rapide. Vous allez faire quoi là? Non, arrêtez. Attendez. 3 3 Je crois qu'on est arrivé directement dans le nez. Mais attendez, c'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Ah non, c'est pas ouais. des gâteaux ça, c'est de la pizza. C'est des crottes de nez ça, c'est de la morve. Il y en a partout. Laissez-moi noter Johnson dans mon calepin. Oui, c'est une langue de Minecraft. Vous allez lui faire mal, on est dans son crâne. C'est delphique. Ok, bon, très bien. Alors voyons un petit peu. Nous avons déjà de la matière grise. Très bien, très bien. Nous voyons qu'il a les yeux verts. Excusez-moi. Oui. Oui. Parce que vous en pensez, ce n'est pas le cerveau le plus développé que je lui mettais des données de voir. Écoutez, je vois que vous n'avez pas été dans celui d'Homer Simpson, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, Johnson. Homer Space, nous avons un petit problème, je crois, de crâne tout là-haut, non? On dirait oui, que c'est vraiment cogné le front. Heureusement que nous avons embarqué avec nous ce qui s'appelle du béton noir. Mais bien sûr, ce n'est pas du béton noir dans un terme médical. Pas du tout. C'est. Comment on appelle ça? On appelle ça des pansements. Exactement. On appelle ça un échafaudage médical. Voilà, ça Exactement. Permet, comme vous pouvez voir, de rentrer et d'aller sur le crâne du patient. Très pratique. C'est une résine spéciale, les amis. Ne me poussez pas. Oh, vous avez vu? Attendez, ça sonne creux quand même. Hein. Ça sonne creux, oui. En même temps, c'est pas très rempli. Allez voir sur ce cerveau, je confirme. Waouh, vous devez lui faire extrêmement mal. Il doit être en train de danser le logobi là. Ah bah là, c'est parti. Hein. Comment? Je ne sais même plus c'est quoi son nom, tu vois. Mais là, c'est corde à sauter. Mon gars. Là, si je débranche le cerveau là c'est foutu hein. Bah il nous plaira pas donc on va éviter de le faire. Bon par contre il a des trous dans la matière grise. Je vais quand même réparer un peu voilà son. Que là c'est pas. Attendez, je vais tenter un risque médical incroyable, voilà c'est passé. MLG, Medical Long Jump.
Attention, et là, waouh. Oh. Bon, il aura un ossement en plus, mais c'est passé. Petite voilà. excroissance crânienne, c'est toujours bon. Exactement. Bon, très bien. On va dire que c'est la faute de Lactel. Alors, eh ben, du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça? Oh, excusez-moi, j'ai dû rater une ou deux pages dans mon cours de encéphalographie, mais oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est un ordinateur de rêve. Maintenant, tous les patients de 2024 sont connectés directement. En fait, c'est une puce que Elon Musk lui-même. Ah, mais c'est Neuralink, d'accord. Voilà, exactement. En gros, maintenant, tous les rêves, ils sont connectés. Tu vois, là, si on fait. Attends, mais si on clique dessus, on va pouvoir rentrer et découvrir les rêves les plus fous. Oui. Ah, vous êtes prêts? On y va. Oui. 3, 2, 1. Boum! Allons-y! Ah! Wow. Mais nous sommes dans son rêve! Il rêve d'un village! Oh. Mais c'est trop bien! Y'a quelqu'un? Je continue votre écho, agent Johnson. C'était y'a quelqu'un? Ok! Par contre, regardez, y'a un villageois! Y'a un villageois! Par contre, c'est. Waouh, c'est vraiment son rêve! Ouais. Y'a rien là-dedans? Ouais, vérifie parce que. Oh! De la du cuir! Que se passe-t-il si je repars avec ce chapeau? Très bien, on est une maison à deux portes. Non? Rien là-haut. Ok. Joli chapeau. Ah, vous savez comment on sait que c'est un rêve? Non? Venez voir. Le cerveau est capable d'imaginer des choses, mais quelques incohérences existent. De l'herbe ne peut pas pousser sur la pierre. Ouais, ça c'est pas normal ça. Ah! Bonjour monsieur! Eh, mais vous avez une hache! Dites-moi, mais vous êtes dans le rêve de ce villageois, mais qui êtes-vous? Wow! Mais c'est un tueur! Il rêve que. Attends, mais il rêve qu'il tue tous les villageois de son village? C'est pas que ça. Calmez-vous! Mais non, regarde ça. Mais il ne nous voit pas en fait. D'ailleurs, n'oubliez pas de rendre son chapeau, sinon on va briser son rêve. Je peux essayer de le réveiller! Non, je crois pas que ça fonctionne. Il fait quoi? Il est rentré dans la maison. Ok, il grimpe à l'étage. Ok, j'arrive. Il a un coffre. D'ailleurs, il y a son pote qui le suit là. Tout le monde le suit. Il y a. Ah! On s'enfuit, mec, vite! Faut quitter ce rêve! Faut quitter ce rêve de fou! Il y a par là-bas. Demi-tour! C'est pas un rêve, c'est un cauchemar, mec! Aïe! Il me tape! Mais il fait super mal! Eh, il me picote, laisse tomber! Je vais derrière l'église! Moi aussi. Au moins, sûr que là-bas, il nous verra jamais. Ok. Oh, il y a un. Oh! Qu'est-ce que. Mais vous êtes qui? On l'avait pas vu, j'espère! Non, on n'est pas suivi! Non, il nous a pas suivi, non, vous inquiétez pas, pourquoi? Vous savez de qui je parle, moi? Mais c'est quoi? Oui, le propriétaire de ce rêve! Il a pété un câble! Il est en train d'assassiner tout le monde! Mais oui! Oui! Il est en train. Tout à fait! Il est en train de tuer tout le monde! C'est vous la petite voix qu'on entend dans les. Quand on pense? Comment ça? Bah, je veux dire. Vous êtes dans sa tête et vous parlez. Dans sa tête, bah oui, bien sûr. Je ne m'exprimerai pas ce sujet-là. D'accord, c'est pour la science, c'est pour la science. Ok, ouais, c'est juste pour savoir. Ok, et du coup, on fait quoi là? Bah, vous voulez sortir de ce rêve, c'est ça? Oui, exactement, oui, on veut sortir parce que de ce chaque rêve. Chaque fois, tout le monde vient me voir pour sortir de ce rêve et moi, je reste ici. Ah, donc ça veut dire qu'on n'est pas le premier à vouloir sortir. C'est très intéressant. Ah, donc, je note. Ok, pas on le va noter dans son. Voilà, complètement dingue. Et Barjo. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Ok, très bien. Et du coup, c'est comment qu'on s'en va d'ici? Oui, vous voyez ça là, vous voyez? C'est une massue. Oui. C'est une massue. Oh! Vous la voyez? Oui, on la voit bien, ouais. Voilà. Et bah, brûlez-la et assommez-le avec. Assommez-le. Ok. D'accord, allez, c'est vous, une fois qu'il sera assommé, vous pourrez sortir de son rêve. Ok, super. Ça roule. Et bah, écoutez, on va l'assommer. Pas touche à ça. C'est pas grave. Bon courage. Il y a rien. A bientôt, peut-être. On sait pas. Et merci beaucoup, dis-toi. Allez, salut. Ok, donc il faut le retrouver. Ok. Normalement, il. Je note. Coup de massue pour sortir du rêve. D'accord. C'est fou comme. C'est un truc de dingue. Médical. Moi, je dis arrêtons les doliprane, prenons des coups de massue. Ok. C'était là qu'il était, je crois. Attention. Il s'est barré. Il a laissé sa fleur. Où est-il? Il a laissé sa fleur? Sa fleur. On peut peut-être la tirer si on écrase sa fleur préférée. Waouh, c'est démoniaque. Je vais aller la chercher, je vais le faire. Vas-y. Okay. Je prends la fleur. Oh, c'est trop bizarre ça. Ok. Je l'ai. Je ne le vois pas. Oh, on a ta fleur. Il est là. Non, c'est pas lui. Il est là, c'est lui. Il est en train de tuer les gens. Viens là. Tiens. Oh, allez, mange les coups de massue. Oh, je l'ai eu. Ouais. Oh. On revient normal. Oh, c'est bon, on est de retour dans sa tête. Bon, je pense que là, on a tout réparé. Normalement, il devrait aller beaucoup mieux. Et on sait pourquoi il s'est cogné la tête, hein, parce qu'il a, il y a des cauchemars complètement dingues dans sa tête. Bon, allez, on y va. C'est clair. On va se barrer d'ici, on va repasser par le nez. Attention, 3, 2, 1, agrandissement. Monsieur, c'est bon. Bouchez-vous. Tenez. Prenez mon truc là. Vous pouvez vous moucher dedans. Vous inquiétez pas, j'ai tout en tête. Le patient éternue après l'utilisation du truc. Ok. Voilà, c'est bon. Je pourrais jamais récupérer mes notes. Hein. Voilà, ça va mieux? Vous vous sentez mieux, monsieur? On va dire ça. Visiblement, j'ai plus mal au crâne. Ah. Eh ben super. Eh ben en plus, vous ferez plus de cauchemars. Vous inquiétez pas, parce que c'était vraiment quelque chose. Oui. Vous les avez pas vus? Vous les avez pas vus, mes cauchemars? On a rien vu du tout. Non, vous inquiétez pas. Ouais, j'espère. On les a pas vus. J'espère. On a rien vu. Non. Vraiment. On a rien vu du tout. Voilà. Vos, hein, vos cauchemars. J'espère. Non. Venez là. C'est le tueur. Martine, appelez la police, Martine. Oh, Martine, docteur, qu'est-ce que c'est? Il y a un tueur là-haut, le patient est devenu fou, il faut l'amener à l'asile. Docteur, hein, j'appelle les services de police. Ouais, appelez la police. Ah, c'est bon, je viens de sortir une seringue de ma poche invisible.
Viens là, tiens, boum, allez. Normalement, ça, bon, ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Attendez. Il bouge plus. Docteur, c'est normal ça? C'était marqué. Je note. Ah, cette seringue permet de faire disparaître le patient et il retourne directement dans son lit. C'est incroyable. J'espère qu'on sera payé quand même. Bon, très bien. Merci beaucoup, Martine, pour la seringue. Hop là. Par contre, planquez-la bien parce que là, si on a les services de sécurité qui viennent, on est mal. Je vous le dis. Mais c'est le cinquième patient que vous faites disparaître, docteur, cette semaine. Ouais, bah, c'était soit lui, soit moi. Hein, donc bon, hein. Ouais. Vous avez raison. Qui va s'occuper de mon yacht après ça? Bon, allez, hop. Allez, oui. Bonne journée, Martine. Bon, attendez. Docteur, docteur, il y a d'autres patients pour vous. Ah, il y a d'autres patients. Ok, bon, écoutez, il y a qui alors? Ah, c'est un creeper, c'est très particulier. Vous allez voir, il ne se contrôle plus. Ok. Waouh! Bonjour, monsieur le creeper. Il y a pas de souci. Alors, essayez de retenir un maximum possible votre morve, voilà, parce que si jamais votre morve, ça fait tout péter, on va être mal. Enrhumé, éternel. Éloignez-vous, je sens que ça vient. Oh, vite! Salut! Aïe! Ah, je me sens pas bien! Ah! Espèce, porte-moi c'est un compliqué. Peu là! J'ai mal un peu! Porte-moi un peu là! Docteur! Redresse-moi mon dos! Docteur! Redresse-moi mon dos! Je peux pas? Docteur! Ah, je crois que vous me portez vous! Non, je crois que c'est vous qui me portez! Voilà. C'est bon! Ah. Non, je suis porté! Attendez, je vous mets là! Voilà. Docteur! Ça va aller, attendez, vous inquiétez pas, Creeper! On va. C'est bon! Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur, non! Oh non! Oh, Espèce! C'est bon! C'est bon! C'était donc, prévu dans l'opération, ça! Il est devenu tout rouge! Ok! Ah, oh, il fait un de ces bruits! Voilà! Ça va aller! On va vous mettre dans une. Dans la. Non, non! Docteur! C'est bon? C'est rien! C'est bon! C'est rien, vous inquiétez pas, j'ai une bonne assurance vie, je peux revenir en vie. Il est où? Il est où? Docteur, il est dans la chambre 2. Bah, 2A, tout en haut! Alors, Creeper, vous allez. Alors, vous savez quoi? On va vous mettre. On va vous installer. Qu'est-ce que. Attendez, laissez-moi. Éloignez-vous! Non! Il faut le mettre dans la chambre 2B! Je ne peux pas, je n'y arrive pas! Il est trop solide! Ouais, merci! Vous voulez que j'aille là, c'est ça? Opérer! Oui, allez, montez! 1, 2, 3, voilà! 1, 2, 3! Ça vient! Non, vite! Ok, bon, il va falloir lui donner un calmant. Bon, déjà, il va falloir savoir qu'est-ce qui vous arrive. Comment ça s'est. Ça fait depuis combien de temps que vous avez ce rhume là, Creeper? Oh, je sais pas, depuis hier, je suis parti, j'ai fait la fête, j'ai pris un peu de poudre. Et maintenant, aujourd'hui, bah, bizarrement. Oh, c'est la gunpowder des Creepers, mais oui, forcément, ça les fait éternuer. C'est la redstone, on l'a dit! Il faut pas. Docteur! Il faut pas toucher la redstone, on l'a dit! Non à la redstone! Non. Regardez, c'est la gunpowder, pas la redstone. Alors attendez, monsieur Creeper, on a une technique dans cet hôpital. Waouh, waouh. Alors, notre vient, il éternue de la gunpowder, de la poudre à canon, okay, et de la redstone. Okay. Bon, il s'est nulé, quoi. Redstone. Ouais. Alors, bon, vous allez vous c'est calmer. C'est hémorragique, là, ce qui arrive, là. Vous allez vous calmer tout de suite, par contre. Bon, monsieur, le avant de vous inondier la pièce, là, voilà, on va rentrer dans votre crâne. C'est attention, une capsule. 2, 3. Ah oui, effectivement, c'est normal, le parcours dans le creeper comme ça. C'est trop bien fait. C'est pour ça qu'il est pas bien, il a peut-être une malformation. Ah peut-être, ouais. Et c'est la première fois que je rentre dans un creeper dans Minecraft, hein. Génial. Toi, c'est la première fois que tu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Le réacteur va exploser? Comment ça? C'est le réacteur du creeper, ce qui le fait exploser. Il est instable. Génial. Bah il explose en fait. Ah oui, bah. Oh bah ça va être super drôle ça en fait de le. Génial. De faire ça. Hop là, vas-y, voilà. Vas-y. Oh la vache. Eh, j'arrive pas à sauter sur le deuxième par contre. Oh, ça va être terrible. À mon avis, tu peux. À mon avis, tu peux. Waouh, 3 minutes. 3 minutes. À mon avis, tu peux tenter sur le deuxième okay. Direct. 3 minutes. Ah ouais. Ah oui, bien, ça m'a poussé en fait. Génial. Ok, 3 minutes. 3 minutes avant que le creeper explose. Don't panic. J'ai réussi. Ok, génial. J'adore ma vie, moi. Ok, attention, j'y vais. Hop, comme ça. Voilà. Ok, on est bien. Ok. Allez, hop. On y va. Il y a des échelles dans le creeper. Waouh. Note ça, note ça. Où je note des échelles dans le creeper. Waouh, y a plein de flèches, mec. Ok, docteur. Il y en a un paquet. Bon, ça devrait aller. Je vais quand même pas prendre 55 000 flèches. Mais d'où y a des. C'est quoi ça? Ok. Il faut faire quoi? Je crois que, à mon avis, il faut viser les TNT. Non, je ne sais pas. Ah, il faut. T'imagines? Non, mais. Attends, ça aurait été trop bien que ça pète. Et là, ok. Me dis pas qu'il faut s'envoyer une flèche. Pour décoller? Non. Ah, ça a 2 minutes! 2 minutes? Ok. Non, c'est pas ça. En plein. Dans la mine, ok. Dans la ligne de mire. Attends, il doit y avoir un bouton quelque part pour lancer ce truc, non? Ouais, 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 ouais. Ok. Oh, je viens de me cogner la tête quelque part, Overspace. Oh, ouais. Ah. Oh, oui. Qu'est-ce que. Oh, oui, quoi? C'est juste. Là, tu. Là, ici. Ah, j'allais. On peut détecter les. Oh, c'est un arc qui détecte les blocs invisibles. Très bien. C'est un arc rayon X. Ah. Oh, pardon, désolé. Non. Je vous ai mis une droite gratuite, celle-là, vraiment. Ok. Bien vu. Ok. Excellent, bien vu. Ok. On peut pas être à deux là-dessus. On peut pas être à deux là-dessus. Ok. Non, c'est compliqué. Ok, c'est génial. Hop, on va passer là. J'enchaîne. Hop, oui. Nickel. Vous êtes là? Après, il y aura. Là, je suis sur un bloc. Je vais passer. Pardon. Attention. Préparez-vous. Regardez le tal. Regardez le tal. Ok, attention, je passe. Voilà, comme ça. Hop, hop. Oh, c'est bon.
Yes. Là c'est où? Attends mais me dis pas que vous revenez en arrière. Ou alors c'est l'échelle là-bas qui flotte? Non, c'est là en fait. Voilà, ici. Oh, bien joué. Regarde, je te mets une flèche. Ah mais je vais la ramasser. Il y a des blocs, il y a des trucs qui tombent, c'est normal? C'est peut-être le creeper qui est en train de se détruire. C'est juste là, regardez. Attends, j'ai une idée. Ah oui. Regarde là ici. Hop là. Ouais, je vois. Merci. T'as vu la technique là? Okay. Oh bien joué. Oh bien joué. OK, voilà comme ça. Mais ensuite ici, hop. Ça passe. OK. Où est-ce qu'on va là? Il y en a un là. Où ça? T'en vois un deuxième? Je vois pas l'autre. Je cherche. Je ne vois pas l'autre. Je vais redescendre. Je suis redescendu. J'ai entendu des bruits. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, je cherche des blocs invisibles. J'en vois pas. Ah! Attends, mais c'est là. T'en es un, ça? Ouais, à mon avis. Ah, mais faut faire le saut sur le. Peut-être faire le saut sur ça là, non? Tu crois? Ah oui, j'essaye. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, saute, on va se mettre. Tu peux le faire, mec? Oui. C'est l'échelle, oui. Là, ici. Hein. Ouais. Ok. Waouh! Bien joué! Là, je crois que c'est. Ici. Ouais, c'est là. Ok, oh, là, ensuite là. Mais c'est chaud en vrai qu'il ait autant de blocs. C'est quoi? C'est des bactéries qu'il a dans son corps? C'était pour ça qu'il est malade? Ouais, c'est sûrement pour ça, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Ok, bah ça va, on peut continuer quand même par là. Ok. Mais attends, mais je peux totalement atteindre l'échelle d'ici. Bah vas-y. Attention. Ah oh là là! Eh, regarde ça. Oh bah c'est pratique. Woo ça. Voilà, j'avais encore des bandages médicales. Mais bien sûr! Attention, attends, je vous mets un bloc. Ouais, c'est un peu. Ouais, voilà, ouais. Pour qu'on soit moins serré. Par contre, comment on passe là si on devait passer avec le truc? Comme ça? 30 secondes! C'est le moment! Ok, on passe comme ça, vite! Faut qu'on aille où? Faut viser le cœur. Observons. La TNT. Comment on fait péter la TNT? Tu tires dessus. Tire sur le cœur. Ça fait quelque chose? Ah, pas encore. Mais il réagit pas. Il ne réagit pas, j'ai l'impression. Il est amorphe. Ok, c'est pas grave. On va devoir tout péter avant que ça explose. Ok, bah là c'est le moment. On a bien fait de garder nos bandages à ce moment-là parce que. Je saute de l'autre côté. Vite. 30 secondes. C'est une urgence chirurgicale. On essaye de tout péter. Péter toutes les TNT là. Sinon il va éternuer. Et vu que là on est à l'intérieur, ça va pas être la même. Hein. Ok. Ouais. Ça pète de partout. C'est terrible. Bon, ça commence. Ça pète de partout. Vite, il a su, vite. Je crois que c'est bon. Là, ici. Yes. Il est sauvé. Ah. Bon, bah okay. Maintenant. Le creeper contient des blocs de TNT à l'intérieur de lui-même, d'accord. Voilà, c'est ça qui le. C'est pour ça, d'où la migraine. Ouais, tu vois, c'était les blocs de TNT. Bon, bah, ce serait peut-être le moment de partir maintenant, je pense, non? Ok. Allez, attention, direction l'extérieur du patient. Wow. C'est bon. Eh, vous vous sentez mieux? Vous aviez ça à l'intérieur si de vous. Si se sentir mieux, ça serait ça. Ah, ouais, non. Ouais, j'ai eu très peur. Voilà. Voilà, donc du coup, vous en avez un paquet. Hein. Avec Overspace, voilà. On a fait ce qu'on a pu, normalement. Essayez de ne pas éternuer. Pardon. Oui, j'allais dire merci. Voilà, bah, heureusement que t'as enlevé les TNT. Voilà, votre pouls a l'air correct, même si l'oscilloscope. Je peux enfin éternuer. Oui, l'oscilloscope. Non, n'éternuez pas. Ah, c'est bon. C'est bon. Il va bien. Bon, on vous laisse. Ouais. On vous donnera un Dolly Room et ça ira mieux, d'accord? Un Dolly Boom. Oui. Un Dolly Craft. Allez, bonne journée. Allez, salut. Et vous n'oubliez pas de payer. Martine, soyez mignonne. Veuillez vous occuper du creeper qui se trouve en chambre numéro 7, s'il vous plaît. Oh, comment il lui parle? Attends, mais. D'accord, oui, pas de soucis. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez un autre patient à nous proposer déjà, Martine? Ah, oui, tout à fait. D'accord. C'est un Magma Cube. Ok. Alors, oui, apparemment, il y a un Magma Cube qui ne voit absolument plus rien là, donc il va falloir faire quelque chose. Waouh. Ok, j'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça, docteur? Non, du tout. Waouh. Il m'a fait peur de ouf, lui. Il veut plus rien. Ça va, allez, calmez-vous. Calme-toi, petit. Bah non, ça va pas, justement. Ouais, mais bon, vous êtes venu aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour mon école, j'ai voulu faire une expérience. J'ai regardé le soleil il y a un peu trop longtemps, je crois. Ah ouais? Ah. Et, bon, alors ça, oui. Il y a quoi? Il y a une éclipse, c'est ça? Bah je sais pas, justement, j'ai vu un truc noir et après bah je voyais plus. Ok, bon bah let's go, bon bah écoutez, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Vous voulez prendre Dr. Overspace? Je vais essayer. Qu'est-ce que vous voulez ajouter là? C'est votre calepin ou quoi? Ok, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de le prendre, hein, vraiment. J'arrive pas à le... Vous êtes trop solide, hein, vous allez trop souvent à la salle. Bon, suivez-nous, on va vous amener... Bah en fait, il peut pas d'accord, le dire, d'accord, je suis. Ah oui, alors, vous savez quoi? On va vous mettre une laisse invisible. Overstress va vous attacher automatiquement vous allez être suivi, d'accord? Voilà, pas allez, ah bien joué, magnifique. Ok, bon, allez. Et nous on attend depuis 3 heures. Et ben vous attendrez 3 heures de plus. Hop, voilà. Ok, c'est mal fait. Vous faites mal.
Il y a encore un client qui se plaint des conditions de l'hôpital. Ah bah oui, il y a de toute façon avec des avis de 2 étoiles sur Google Maps, hein, donc bon. Non mais alors... je vais descendre, je vais marcher par moi-même, voilà. Très bien. Ouais. Non, allez par moi-même. Non, pas ça. Voilà, par ici. Un peu ne plus, bougez plus. Vous alliez tomber un peu plus. Bon voilà, c'est bon. Vous êtes actuellement sur un lit de médical. On va vous ausculter. Vous inquiétez pas. On a une nouvelle technologie qui s'appelle la capsule. Quoi ? C'est de la laine bleue. C'est vraiment de la laine ? Oui, c'est de la laine bleue. C'est de la laine bleue, oui. Pourquoi vous avez un problème avec ça ? Non, il a allumé le. Non, vous êtes bête. Oh, Johnny. Ah oui, bah oui, vous êtes un MacBook Cube, c'est vrai. Vous inquiétez pas, on va vous mettre. Oh là là. Attendez, je vais utiliser ma technologie de créatif médical. On va trouver quelque chose qui au moins ne bullera pas. Ça sera une dalle en pierre. Voilà, enfin un lit en pierre. Voilà, vous avez. C'est pas confortable. Ah bah écoutez, c'est soit vous brûlez, soit vous auscultez. Hein, bon bref. C'est l'hôpital qui brûle, pas moi. Écoutez, c'est le même cube qui se moque de la charité aussi là. Donc bon, allez, on y va. C'est l'heure d'aller dedans. Attention. On sort la capsule. Overspace, c'est vous le chirurgien en chef. On y va. 3, 2, 1, top. Alors, votre analyse, docteur Overspace, quel est le problème à votre avis avec ce patient? J'ai l'impression que ses nerfs optiques sont nécrosés. Regardez, ils sont tout noirs. Ah oui, effectivement, ils ont pourri de l'intérieur. Est-ce que vous auriez une chance que j'ai un kit de nerfs optiques sur moi? Oh la vache, j'allais y penser, mais moi je n'y ai pas pensé. Ok, je n'ai que du sucre sur moi. Ok, j'ai que les dosettes. Ok, très bien. Oh, mais vous en avez eu beaucoup, quoi. Comment ça va la volonté? Mais c'est un magma cube, ça paraît logique en même temps, c'est vrai. On m'a pas appris ça à l'école, moi. Ok. Bon, alors attendez, faut qu'on se débarrasse. Si on étudie bien, comme à l'école de chirurgie, les trucs nécrosés, c'est ça? Ok. Les nécrosés, moi je les laisse ici, de toute façon la lave va s'en charger. D'accord, très bien. Donc il va falloir s'occuper de relier les yeux, c'est ça? D'accord, au cerveau. Au cerveau, oui, bah oui, parce que c'est pour ça qu'il est aveugle. Ok, moi je vais m'occuper, je vais de l'autre côté. Ok. Oh, la vache. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bah, on va se servir de nos pansements magiques nécrosés là. Voilà. Pour faire. Pour relier tout ça, le cerveau. Okay. Hop. Oh, heureusement alors, que. Alors, par contre, je crois qu'il faut faire attention. Il faut surtout pas marcher sur le nerf optique. Oh là là, va falloir faire vite, docteur. Oh la vache! Un peu plus, c'est tombé. Faites attention à vous! Ouais, ça chauffe, ça chauffe! Ah, voilà, c'est bon. Ok. Bien, on est bien. Oh, je suis presque. Attendez, vous savez quoi? Je vais me décaler, je vais me monter dessus. Voilà. Ça va, c'est du solide. Oh là là. Il risque d'être mieux si vous lui marchez sur le nerf optique. Ouais, mais non, mais c'est bon. C'est du solide. D'accord. Ok. J'ai fait ma part du boulot, docteur. Vous inquiétez pas, je vais faire la part de la mienne aussi. Je lui mets même un double nerf. Comme ça, il verra deux fois mieux. C'est un bionique. C'est un œil bionique. Il verra comme s'il avait des jumelles. Voilà, c'est bon, il est connecté. Docteur, je crois que c'est bon, tout est relié. Ouais, ça y est. C'est peut-être partir. C'est peut-être le moment de partir, c'est ce que j'allais dire. Attention, 3, 2, 1, utilise ta capsule. Ouais, c'est bon, ça a fonctionné, excellent. Waouh. Ok, c'est bon, on a réussi. Yes. Ça va? Vous allez bien, docteur? Est-ce que vous avez un truc pour le mesurer là? Enfin, pas la taille, mais. Et vous faites ça à tout le monde? Non, uniquement aux gens aveugles. Voilà, effectivement. Quoi? Aux gens aveugles, oui, voilà. Enfin, vous êtes plus aveugle, vous voyez quelque chose, non? On est combien? Voilà. 6. 1, 2. Très bien, on est deux. C'est bien, voilà, c'est bon, on est deux. C'est bon. Voilà. Écoutez, on vous envoie la facture. Infirmier pour vérifier tout ça. La facture, c'est à mon adresse. Ah, ok. 43 rue de la Paix, voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Azurville. Numéro 3, le yacht. Au revoir. Voilà. Ouais, le yacht, c'est mon jardin. Ok, allez, c'est parti. Alors, hop. On va retourner voir Martine. Martine, est-ce qu'on a d'autres choses de prévues aujourd'hui? Laisse-moi regarder. Ouais, quelle journée, quelle journée. Y'a un gars, un guest. Y'a un gars. Y'a un guest. Y'a un vrai problème, il n'arrive plus à voler. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout ce que je sais. Comment ça, un guest qui n'arrive plus à voler? Un guest qui ne vole plus, mais c'est singulier ça. Il est en train de péter le parking. Monsieur le guest. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends pourquoi il lâche les larmes quand je les tue. C'est des gros plans de chair d'abord. Oh là, oh le parking. Bon, bah là. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez bien? C'est quoi? J'arrive plus à voler. Oh non. Vous inquiétez pas. Je peux plus rien faire. Détendez-vous. C'est trop lourd. Ça va aller. Vous inquiétez pas. On va aller vous ausculter. Je ne sais même pas si vous passez la porte. Je crois qu'on n'a pas le choix. On va devoir faire ça dehors. Hein. On va devoir faire ça dehors. Vous pensez attendez, je vais rentrer à l'intérieur. Non. Qu'est-ce que vous faites? Oh, on rentre pas. L'hôpital. Non. Mais c'est vos impôts qui payent ça. C'est vos impôts. Oh la vache. Waouh. Je répare. C'est bon. Vous êtes maçon de métier ou? C'est ça? Bon. C'est vrai que mon père l'était, comme d'accord. Sa mère, pareil, comme son père. Vous êtes des bons constructeurs. Était aussi. Ok, très bien. Écoutez, bon, on a un nouveau protocole c'est qui ça. Va nous permettre de vous examiner en profondeur. On a ce qu'on appelle une capsule de téléportation. Elle permet de s'insérer en vous et de voir un petit peu les problèmes internes. Alors, Oh!
Oui. Aïe. Vous brûlez, chef. J'ai pas fait ça. Allez dans l'eau, allez dans l'eau. Docteur, dans l'eau, dans l'eau. Oui. Heureusement que quelqu'un a renversé de l'eau ce matin. Bon, bref. Le truc, c'est qu'avec lui, on n'a pas besoin de la perle. Ah bah oui, c'est vrai. Donc on peut rentrer directement. Ok. Ouvrez grand à 3. 1, 2, 3. Wow, mais attends, mais c'est immense à l'intérieur de lui. Bon, voyons un petit peu, c'est quoi le problème. Je vois que ses pattes sont remplies d'espèces de goudron, là, ou de pierre. C'est normal, ça, je crois pas. Hein. Non. Il me semble qu'à l'étude de l'école de Minecraft, il n'y avait pas ce problème. C'est pas goudron, censé... sur des pieds, ouais. D'accord. Donc, du coup, on va aller voir ça. On va aller voir ça, alors... J'ai un petit scalpel pour lui enlever, s'il faut. Moi aussi. C'est un marteau de chirurgien. On va récupérer un petit peu de pierre, là. Okay. Voilà. Docteur, on va devoir faire ça sur les 9 pieds. Ça va être très long, oui. Attendez, il me semble que j'ai vu quelque chose dans le yast tout en haut là, non? Ok. On va aller voir. Moi je suis partant, si on peut trouver un outil chirurgical de précision, mais en même temps... Mais en fait, c'est pas un outil vraiment chirurgical, c'est en gros c'est quelque chose que les yast ont naturellement dans leur corps. C'est un truc qui permet de... C'est comme un outil, mais il est interne à eux, c'est ce qui permet de donner la force à leur boule de leur fire charge. D'accord, bah je vais voir alors. Voilà, donc je vais prendre un stack, ça ira normalement je pense, non? J'imagine. À la vitesse à laquelle on va, on va prendre 1000 ans pour réparer son problème de jambe. Est-ce que techniquement on va pas l'alourdir en mettant de la stone ailleurs, docteur? Techniquement c'est pas faux. Et d'ailleurs je viens de voir que je... Waouh, qu'est-ce que c'est que ces pattes gigantesques. Ok. Hop, bon, je vais en passer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ah, ok. Vous êtes tout là-haut déjà, vous m'attendez, excusez-moi, désolé, vraiment. Oh, c'est long pour monter ça. Mais c'est quoi ces pattes gigantesques? Mais comment il s'est mis de la pierre là-dedans? Moi je comprends pas, je vais noter. Hein. Je ne sais pas. Demandez au patient comment. Mais si, il a... mais voyons, mais si, c'est simple. Il a trempé ses tentacules dans. Dans la lave et ça a séché. Dans la lave, exactement. Voilà, avec de l'eau et ça fait comme de l'obsidienne. Vous savez, des fois avec l'obsidienne, ça fait de la pierre avec l'eau. Ok. Et bah voilà, bah, c'est comme ça. Ou alors peut-être qu'il a été dans du ciment frais, hein, bien sûr, c'est possible. Ok, bon. C'est ça là, la réserve naturelle des gaz là? Oui, c'est ça, c'est tout petit. En fait, ça, vous voyez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Non. C'est leur cerveau. Voilà, donc du coup, comprenez pour. Ça explique pas mal de choses. Hein. Ça explique pourquoi ils sont pas capables de viser correctement. Je comprends pourquoi ils passent leur temps à pleurer. Est-ce que vous voulez monter? Non, je vais vous laisser faire, c'est vous le. Le spécialiste. J'ai le chirurgien en chef. Hein. Ok, bon. Si jamais je meurs, touchez pas à mon yacht. Merci. Alors. Vous auriez pu au moins me donner le code du wifi, hein, ou un ça par contre c'est possible. Ok, allez c'est parti. Hop. Est-ce que vous pouvez me dire, docteur Verspace, si jamais j'y suis presque, vous ne regardez pas en vous haut. Vous êtes presque. Vous devenez tout petit, tout petit. Encore une dizaine de blocs, je dirais. Une dizaine. Attention. Ouais. C'est bon. Pop. Ah ouais, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est une massue. Waouh. Attention, ça te. Oh. Ok, je descends. Donc ça apparemment, ça, c'est assez puissant. Hein. C'est la puissance de fire charge, hein, donc des boules explosives. Vous savez que les gaz balancent. Okay. Donc du coup, peut-être que on devrait pouvoir assez dégager rapidement le béton, le ciment qui bloque ses pattes. Bah écoutez, je vais faire le test sur la patte en bas, je vous dis, comme ça vous n'avez pas à descendre. D'accord, c'est gentil, parce que vu le temps que je dois déjà descendre de cette pile, j'en ai pour 1000 ans, donc voilà, comme ça. Ok, vous me dites quand vous pouvez observer. J'arrive, c'est bon, je suis descendu de ma pile, je viens vous voir. Ok, attention, c'est bon, je vous observe, docteur Overspace, allez-y. Très bien, 3, 2, 1, c'est parti. Wow. On s'est résistant. Ça a l'air de résister, non? C'est pas mal résistant. Vous y arrivez ou pas? Ouais. Bien joué. C'est bon, ça a plus... Il y a plus de pierre. Non, c'est ça, ça c'est... En fait, c'était peut-être des croûtes. Ah. C'était peut-être des croûtes, et oui. D'accord, donc en fait, ce sont des croûtes. Je note des croûtes à l'intérieur. Voilà, des croûtes, exactement. Des croûtons, vous les connaissez peut-être, non? Voilà. Oui, oui, bien sûr, voilà. Oui. Bah là, c'est pas les, tout ça, les croûtons vont en vacances. Voilà, ah. Là, c'est les croûtons sont dans les pattes du creeper, du casse, voilà. Ok. Voilà. Bon, bah maintenant, on va devoir s'occuper de toutes les pattes. Je vais essayer de faire une des pattes. Vous pourrez me regarder ou pas? Ah, oui, oui, bien sûr. Regardez, quand je vais commencer à descendre. Ouais, allez ici, parce que c'est. Voilà. Ouais. Faut le dire, c'est chiant, on peut le dire. C'est chiant, oui. C'est un terme médical, hein. Ah, c'est un terme médical, hein. La rousse, hein. Voilà. Bon, attention, je commence. Ok. Est-ce que vous me voyez ou pas? Bah, je prends des notes. Voilà, j'ai sorti. Attention, je commence. Attention. Okay. Allez. J'espère que ça a fonctionné, hein. Mm-hmm. Attention. Ah oh, docteur. Ça l'a blessé un peu, je pense. Mais c'est bon, ça a dû résoudre le problème. Ça va, vous? Ouais, ça va. Par contre, le gaz prend feu.
Ce qui n'est pas très bien. Bon, sinon, venez, on va s'occuper des autres pattes. Ça devrait aller. Ok. Ok, docteur, je crois que j'ai fini la dernière patte. Oui, moi aussi, c'est bon, c'est terminé. On est tranquille. Bon. Ok. Hop, maintenant, je pense qu'il est grand temps d'aller rendre visite à notre guest et de sortir d'ici et de lui dire que tout va bien. Eh, mais je vous entends, en fait. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? J'espère 3. Qu'on va pas tomber de très haut parce qu'il s'est peut-être envolé. Ouais, mais et puis normalement, vous savez qu'on n'a pas besoin des téléportations. Mais bon, vu que là, j'ai l'impression qu'il veut plus nous ouvrir la bouche, on n'a pas le choix, d'accord? Ok. Vous nous donnez signal. Workspace. 3, 2, 1. Maintenant! Wow! Non, c'est bon! Ah! Oh, je peux enfin voler! Ah! Wow. Voilà! Ça y est, vous allez beaucoup mieux! Vous sentez bien? Ah, beaucoup mieux. Wow! Hop là! Oh là, voilà. Attention à vous! Non, 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 pas l'hôpital, s'il vous plaît. L'hôpital, on en a besoin. Je n'ai pas fait exprès, désolé. Voilà, bon, merci beaucoup d'être venu nous voir. N'oubliez pas de mettre une bonne note sur TripAdvisor. Et puis, oui, quoi? À bientôt! À bientôt, hein! Allez, salut, hein! Bon, eh ben, on va dire que c'était bien. Merci, parfait. Bon, c'était une sacrée journée, hein. Bon, tu veux aller faire le compte rendu à Micheline, là? Bonjour, Martine. Bonjour, alors ça s'est bien passé? Bah, écoutez, c'était vraiment bizarre, on n'avait jamais vu ça, mais c'est bon, on a résolu le problème et le gaz s'est envolé. Ah, très bien, bon. Par contre, il a oublié de payer, hein, je tiens à le dire. Bon, bah, ça c'est pas notre problème, malheureusement. Est-ce qu'on a le temps de prendre une pause ou. Non, pas du tout, pas du tout, faut enchaîner là, parce qu'il y a un nouveau patient qui arrive, c'est un axolote. Apparemment, il est tout blanc, il a perdu sa couleur naturelle. Encore un? Oh, c'est une épidémie en ce moment. Ok, bon, bah. Allez, bonne journée, bon courage, salut. Ok, d'accord, un axolote qui a perdu sa couleur. Albinos. Albinos. Bah écoute, c'est stylé en soi, T'entends ce que j'entends? Il est peut-être là-dedans. Il est là. Il est dans l'eau. Oh, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh, bonjour. Ça fait longtemps que vous étiez là-dedans, parce qu'on en achetait des bêtises là-dedans, hein, vous savez, Ça va? Vous avez pas de javel dans... Je sais pas. Qu'est-ce que... J'en ai marre! Qu'est-ce qui se passe? J'entends des gens passer, j'entendais un gars tout à l'heure. Ouais. J'ai vu un bébé magma qui est passé, j'ai vu plein de choses. Oui, vous en avez vu, hein. Ouais, ouais. Et du coup, vous avez perdu votre couleur, c'est à cause de quoi? En même temps, si vous baignez dans de la javel, c'est normal que vous perdiez votre couleur, vous savez? Franchement, si je savais pourquoi j'avais perdu ma couleur, je viendrais pas vous demander pour payer après méga cher à l'hôpital, à un hôpital sûrement méga un peu délabré, nous, parce que c'est pas très vrai. Nous! Jamais! Vraiment, jamais! On est les deuxièmes moins chers de tout le comté. Ouais. Et on 200 euros l'heure. Bah, il y a que c'est tout. C'est pas cher ça? Il y a que tout. Bah, déjà, on est deux, donc c'est 100 euros chacun. Et puis, il y a les charges sociales. Exactement. Martine, Il a tout dit. Et puis, dans Minecraft, tout le monde veut être mineur et builder. Donc, bon, en même temps, voilà. Personne n'a de chirurgien. Donc, il y a que nous. Bon, on va aller vous ausculter. Le docteur Verspace connaît très bien les axolotes. C'était sa disserte l'année dernière. Donc, je pense qu'il va bien nous guider. D'accord. Attendez. Quoi? C'est votre première année de pratique? Non, non, on n'a pas dit ça. Non, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Non, je sors des articles dans des catalogues scientifiques de Renault. Voilà, les axolotes. Vous faites quoi avec votre boule là? Eh bien justement, 3, 2, 1, bam! C'est parti! Bon, je crois qu'on est arrivé à l'intérieur de l'axolote. Ouais, c'est impressionnant d'ailleurs. Oh, il y en a un qui nage là, regarde, juste là, un jaune là. Très bien, très bien. Alors, on va voir peut-être qu'il faudrait le récupérer, je ne sais pas. Hop, oh, bah, il est arrivé dans mes bras. Regarde, tout seul. Parfait. Oh, pounou! C'est. J'ai l'impression que cet axolote a perdu ses repères colorimétriques. Ah, c'est pour ça. En fait, cet axolote géant a plein de petits axolotes en lui qui permet de savoir c'est quoi les couleurs. Donc là, exactement, maintenant, il pourra reconnaître le jaune. Donc il pourra peut-être être jaune. Trop mignon, ok. Super. Ensuite, le bleu, le marron et le rouge. Ah, bah, il y a une porte qui s'est déverrouillée là. Ah, c'est vrai? Oh, j'entends un bruit. Oh, bonjour. Oh, c'est un axolote qui s'enfuit. Faut aller le chercher. Allez, on y va. Les coffres sont verrouillés. Ah, ils courent vachement vite. Il est coincé, je crois. Il fait de ses sauts de génie. Ici, docteur Verspace. Ok. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Ah, quoique, non, attendez. Ça m'a l'air vachement haut. Ah, peut-être là, regardez. Attendez, vous pouvez peut-être. Attends, cette plateforme là. Vous avez trouvé? Peut-être là. Regardez ici. Oui, c'est bon, ici. Ah, bah, on a trouvé chacun un passage. Ah, bah parfait. Bah, je peux monter? Non, ok. Vous êtes sûr? Ah, là, il y a des lianes là. Après, sinon, on peut faire ça. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça peut fonctionner. Docteur, nous sommes des chirurgiens. Après tout, oh, une pomme. Waouh, j'avais pas vu tout ce qu'il fait. Mais c'est grand, axolote. Docteur, attendez, je vais vous aider. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'ai trouvé. Oh, il est passé sous l'eau. Attendez, mais quel fourbe! Vite, il faut aller le chercher en nageant. Montez sur l'éléphant, vous allez gagner du temps. Il va trop vite. Vas-y, montez dessus. Bien joué. Pas étonnant qu'il ait des problèmes de couleur. Il est complètement gelé à l'intérieur. Mec, il est trop chaud, sac solote. Ok, ouais. Allez, let's go. Allez. Alors, attendez, je vais. Oh, il est agile. Je l'attends. Oh, il est passé au-dessous. Oh, il est passé par en dessous. Okay. Je le vois. Viens là, toi. Attends, mais je vais le choper. Oh, je l'avais eu. Oh, je l'avais. Ah, il se débat. Oh oui, il se débat. Oh oui, il m'a attrapé. Mince.
Il me tape, il me tape. Il m'a mordu. Ok, ah, c'est normal, ils se défendent. Aïe. C'est là que aïe. Ça se passe. Vite, faut l'attraper. Ah, il refait demi-tour en oh, fait. Oh non. Okay, on peut passer au-dessus. Dans une embuscade. Non, mais je pense qu'il faut le suivre. Ok. Hop là. Oui, il est au-dessus. Ok. Ah, viens là, petit. C'est bon, je l'ai. Oh, bien joué. C'est bon. Ok, on va pouvoir le ramener maintenant. Hein. Ouais. Bon. Ouais, c'est bon. Bah, on fait demi-tour. Bah, on fait demi-tour. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Bah, c'est parti. C'est bon, je le tiens. Super. Je crois qu'il me glisse des mains. Oh. Vas-y, attrape-le. Oh, bien joué. Et un peu plus, si on allait le perdre encore. Il est sans. Non, attrape-le. Ouais. Oh, les œufs. Ah, c'est bon. Les pauvres bêtes. C'est bon. On ne bouge plus. Ok. Voilà, très bien. On va aller. Attendez, je vous ouvre les portes, docteur. Allez-y. Quelle couleur ça? Rose clair. Ok. Voilà. C'est bon. Vous allez un peu le. Ouais, on lui a fait un peu mal. Voilà. Il est vraiment pas content. Voilà. Et l'autre, il s'est couché dans sa couette. On le voit même plus, t'as vu? Ok. Super. Bon, bah, ça, c'est bien. Très bien. Bah, voilà. Ça, c'est un bon truc de fait. Et ça, c'est un bon truc de fait. Encore deux couleurs. Encore deux couleurs. Ah bah là, c'était pas ouvert là tout à l'heure, non? Oh! Oh! En garde! Moussaillant! Je vous préviens, j'ai une arme! J'ai une à l'université! Moi aussi! Ah! J'entendais ce bruit! Bon bah, vous d'abord! J'entends quelque chose! Je ne entends quelque chose, mais je ne vois rien! Wouah! Ah! C'est quoi ce monstre? Mais ça fait super mal! Ça doit être un virus! Allez, on va s'en occuper! Wow. Oh le virus! Yeah! C'est bon! Ouah, et c'est un sacré microbe ce truc là! Ouais, je vais noter un peu là! Okay. Je crois que c'était un axolote qui a muté ou. Nous sommes tranquilles maintenant! J'espère que ça a dû faire du bien à ce petit axolote quand même! Bah j'espère. Pourquoi il y a des pancartes? Oh non, il s'est transformé en pancarte. Oh non. Non, j'imagine que c'est rien du tout. C'est son système. J'entends un bruit. Qui a quelques soucis. Oh, il est là. Il est revenu. Oh, il a récupéré la couleur marron. Parfait. Super. Voilà. Bon, bah il reste plus qu'à trouver l'axolote bleu, hein, bien sûr. Ok. Ça ne serait donc pas. Oh, je le vois. Je vois sa grosse tête dans la porte. Mec. Oh oui. C'est quoi là? Oh, c'est un pluie. Oh, je reconnais. Couleur. J'ai fait un bizutage comme ça quand j'étais en première année de fac. C'est-à-dire? C'est un plongeon. Find the button. Ah, on avait fait ça dans la piscine municipale et pas, bon, mon petit, j'ai fini aux urgences quoi. Ça va aller. Ok, donc ça veut dire qu'il faut plonger et trouver le bouton. Un 6, c'est marqué un 6. Un 6. 4, 1. Ok, donc le premier c'est 6. Et le 4 c'est 1. Et le 3 c'est 9. Le premier c'est 6. Ouais, tu veux que je redise de 2? Le 2 on l'a pas. Ah, on l'a pas. Je vais regarder. Oui, je peux parler normalement sous l'eau, je suis amphibien. Attendez, docteur. Je pense que... Docteur amphibie. Vous pouvez peut-être trouver au pif. Attendez, Ah, 3. Ok, 3. Donc 6, 3. 9, 1. 9, 1, exactement, tout à fait, docteur. 6, 3, 9, 1. Wow. Ah. Eh, hey, on t'a sauvé! Ouais, mais moi je vous assomme! Ok. Allez, c'est bon. Ah. Oh là, il va récupérer enfin toutes ses couleurs, l'axolote, pour enfin revoir! J'avais pas vu okay. Les fils là-haut. C'est là? Oui, c'est là. Vite, la porte panique! Et voilà! Allez. Tous les axolotes ont été retrouvés, donc normalement, l'axolote a retrouvé toutes les couleurs de base! Il on ne va sera pouvoir plus. Aller vérifier ça. T'as le tenir. Ok, attention. Vous êtes prêts à rentrer? 3, 2, 1. Wow! Oh, c'est bon! Hey! Alors, vous voyez les couleurs maintenant ou pas, monsieur l'axolote? Non, mais attendez, mais vous fichez de moi! Bah non, on mais est pas du tout! Pas du tout, pourquoi? Quoi? Qu'est-ce mais je suis à l'identique de tout à l'heure! Ah, mais on avait ah, moi j'avais compris que vous ne voyez pas les couleurs! Ah oui, bon, mais normalement. Non, mais vous. Mais attendez. Madame, non, je ne paierai pas pour votre service déplorable! Bah, enfin, vos tétrachromes sont tous en place, c'est juste que vous êtes blanc, c'est tout! Bah oui, voilà, vous voyez. Les tétrachromes? Vos tétrachromes! Qu'est-ce ce sont vos mini-axolotes qui définissent votre couleur! Ils sont tous les quatre en place et vous êtes blanc! Pourquoi c'est je le suis mélange blanc de toutes les couleurs! Ah, bah, c'est parce que. On n'avait plus assez de peinture. Quoi? Il a disparu? Il l'a entendu. Ah non, il était là, j'avais pas. Je vois. Ouais, non, mais en plus, j'en ai pas. Vous ne voyez même pas. Non, faudrait mais... peut-être songer à faire de la chirurgie. Oui, bon, mais... monsieur, écoutez, maintenant on en a assez fait. Je vais me taire. Je vous aurais bien attrapé par la peau du cou, mais c'est compliqué. Voilà. Je vole votre. Voilà. Non, c'est mon collègue. Docteur j'ai besoin de lui. Voilà. Non. Eh ben, c'est déplorable. Et ne reviens plus ici hein, parce que vous avez pas payé. Bon, j'espère qu'on a fini cette journée. Je n'en peux plus, Overspace. Hein. Je n'en peux plus. Bah, je sais pas. Faut voir avec Martine Joël. Martine Joël, la première Joël. Où est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'était le dernier patient d'aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire oui, mais pas du tout. Il y a une araignée qui arrive et elle ne peut plus grimper au mur. Peut plus grimper quoi? Au mur? Exactement. Très bien. Une araignée qui peut plus grimper au mur, c'était embêtant, effectivement. Bon, envoyez-les nous, vas-y, à l'entrée là. Très bien. Spider-Man. Ah, elle arrive. Oh! Wow! Oh, la tête! Oh, elle a des œufs sur le corps! Oh, non mais. Oh! Joël, prenez la ferme. Infirmière, occupez-vous de ça.
C'est moi ou elle mange les monsieur, madame. Alors je sais que vous avez faim, mais quand même, ne mangez pas les villageois, voyons. Ah, c'est horrible. Bon, alors, madame, comment vous appelez? Ce serait bien. On va vous appeler Ghislaine, ça sera très bien. Ghislaine, apparemment, vous avez un problème de pour plus marcher, hein, c'est ça? Faites deux fois un pour oui et un pour non. Bon, écoutez, on va aller regarder vos pattes de très très près. Voilà. Surtout, ne bougez pas. Pour attention. Ça, on va pas utiliser un bloc de dirt, hein. Mais voilà. Une capsule qui vous permet, qui nous permettra de rentrer. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, waouh. Ouais, on est où là? Moi j'atterris la tête bien sûr dans, enfin les jambes dans le chaudron, bien sûr, pas de problème. Mais attends, c'est comme ça l'intérieur d'une araignée dans Minecraft? Wow. Il y a une mouette à l'intérieur, mais c'est quoi ce truc là? C'est d'accord, le portugais, tu vois, comme moi quoi en fait. Ok, très bien. Donc là on a quoi? Fourneau, fabrication, atelier. Attends, mais comment on se barre d'ici? J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fabrique une potion, non? Parce que là il y a quoi? Il y a du sable partout, d'accord. Et ça sert à quoi là? Pourquoi il y a une mouette dans l'araignée quoi? Oh, y'a un coffre. Oh, c'est vrai. J'ai compris. Il doit falloir faire quoi? Il faut qu'on fasse une potion pour pouvoir sauter très haut. Ouais, bien joué, frérot, bien joué, bien joué. Et du okay. coup, le sable, voilà. Ouais, bah, heureusement qu'il y a du charbon. Alors, ça va servir à faire les popos avec le verre. Ok, on va prendre de l'eau et verrue de laser et pâte de lapin. Okay. Ok, la brouette, on a pas besoin dans les trucs de potions, je crois. Je pense pas, non. Non, ok. Non, ça va faire un mur à la Fortnite. Alors, donc, ok, bah vas-y, c'est parti. Et attends, il doit y avoir peut-être une sortie en haut. C'est vrai, il y a plein de toiles d'araignée au plafond là. Peut-être faut nettoyer ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ok, bon, très bien. C'est bon. Y a de quoi faire des bouteilles. Parfait. Et donc là, tu peux crafter la bouteille, c'est ça? Les bouteilles, les trois. Vas-y, je regarde l'alambic. Tu peux mettre dedans. Ok, 1, 2, 3. Excellent. J'ai 3 bouteilles d'eau. Je mets la verrue. Et là, on va faire le premier ingrédient. Ok, et. Est-ce qu'on a de quoi allumer l'alambic? Non. C'est non. Je crois que nous avons pas de blaze. C'est dommage. Par contre, comment on va trouver le blaze là? Oh, c'est vraiment un problème. On avait tout ce qu'il nous fallait pour ça. On a fouillé la brouette là. Oh bah tiens, regarde. Il y avait de la poudre de blaze. C'est quand même vachement de la chance. Hein. Bah ouais, mais en même temps, c'est un organisme. Hein. Tout est bien pensé. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc là, ok, c'est bon. Alambic. Ensuite, pâte de lapping. Voilà. Et on pourrait voir ces toiles d'araignée là. Ça m'intrigue trop, mec. Ok. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est. Voilà pourquoi j'aime pas l'alambic dans Minecraft. Mais non, mais c'est de la cuisine. Hein. Il faut être patient. C'est et de l'art. Une pâte. Voilà. Et avec ça, tu vas me dire qu'on va pouvoir sauter méga haut, c'est ça? Ah bah bien sûr. Ce sont des potions pâte de lapin. Dans le doute, collègue, j'ai toujours les croûtes du ghast hein, sur moi, donc ça peut toujours servir. Oh, ça me répugne, ça me donne envie de... Non, mais ça va, ça va. Non, mais... Ok, bon, alors attends, c'est bon, ça va être prêt. Overspace, tu es prêt? Ouais. On n'utilisait pas ce chaudron, je vous le dis. Oh, non, mais mec, j'ai récupéré ton vomi. Oh, cool. Jump boost. C'est parti. Wow. On saute un peu. Wow. Ça saute super. Mais ça marche trop bien. Attends, les ficelles, j'essaye de les atteindre. Ok. Oh, c'est impossible. Attends. Joue. Ok. J'essaye de. Oh, j'ai cassé un. Oh. Non. Je crois. Oh. Ici. Je vois l'extérieur. Où ça? Là, j'arrive. Je sais même pas par où je suis passé. Ah, par où? Je suis passé à l'intérieur de l'araignée. Comment ça a fait? Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, là, bâtons, j'avoue que les deux premiers, pioche, j'en sais rien. Bah, ça fait une forme de pioche, mais une pioche en diamant, une pioche en bâton. Ouais, peut-être. Ça me dit rien du tout. Pour pouvoir faire un Ender Chest, non? Ah oui, les trucs de laine, tout ça là. Mais ah bah attends, mais il y a de l'obsidienne là-haut là. Non mais attends, mais elle a quoi cette araignée? C'est n'importe quoi. Bah elle est solide, hein. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer l'obsidienne là-haut. Bah j'imagine. Ok, ça roule. Je récupère l'obsidienne et on fait quoi? Il nous en faut 8. Un Ender Chest? Un Ender Chest? Ouais. Ok, d'accord. Parce que normalement, oui. Si vous avez passé votre certification de chirurgien comme moi. Dis-moi, ouais. Vous êtes censé toujours obtenir, enfin toujours être en possession de l'ingrédient secret médical pour rendre en miniature les patients. D'accord, ça roule. Ok. Ça normalement c'est rangé dans votre Ender Chest. Ah oui, non mais moi j'avais complètement oublié ce détail en fait. Ok, très bien. On va récupérer ça. Encore une couche et c'est bon, je crois. J'en ai 5, ouais. Oui, 6. Et là 7-8. Attention. Voilà, c'est bon. Tenez, je vous le donne. Voilà, parce que merci. Il m'en restait qu'un en fait. Voilà. Donc là, faudrait qu'on on va récupérer. L'œil d'Ender là. Ouais. Bien joué. Et là, en plus, je suis bête, mais on aurait pu faire une pioche en diamants avec ce qu'il y avait dans le coffre. Qu'est-ce qu'elle est généreuse cette araignée. Moi, je pense que je vais garder les diamants et je vais m'acheter un nouveau yacht avec. Je suis d'accord, ça paiera le mazout. Alors. Du coup. Ok, donc normalement, on va voir si vous êtes. Perspicace. Ou pas, quoi. Dites-moi que vous avez de la bedrock. Il y a de la bedrock dedans, effectivement, oui. Parfait. Donc ça veut dire qu'on peut pas faire la potion minuscule. Ah bah si, justement. Ah. Il y en a pas besoin d'eau, c'est une potion spéciale. Vas-y, on le met. Hop là. Sérieusement? Mais attends, mais c'est un truc de fou.
Mais oui. Mais c'est incroyable, je pensais que c'était qu'une légende. Ah bah ça c'est pour les cas extrêmes, hein, évidemment. Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc en plus, il m'a semblé voir qu'il y avait des toutes petites cavités là dans les pattes de l'araignée. Et genre, attendez, j'entends une voix qui me dit: et pourquoi vous utilisez pas votre perle pour vous rétrécir alors vous le faites appeler? Parce qu'en fait, c'est on est à l'intérieur de l'araignée déjà, donc du coup, on ne peut pas rétrécir. On ne peut plus, pas la réutiliser. Voilà, exactement. C'est logique. Bah oui. Oh, potion pour devenir minuscule, mais c'est génial. À l'intérieur d'une patte d'araignée, mais c'est vraiment génial comme potion. Mais c'est, et on veut qu'on veut pas blesser plus l'araignée tant que ça. Attention. Oh, oh, ça a fonctionné. Oh, moi, ça prend un peu de temps, mais ça, c'est la digestion. Je suis tout petit. Je suis tout petit. Waouh, j'ai grandi. Waouh. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, oh, c'est un truc. Il y a un questionnaire dans l'araignée. Quel est le créateur de la plateforme YouTube? Il y a, attends, c'est tout ce qui bouge. Il y a un questionnaire dans une araignée. Je crois que j'ai besoin d'une baffe. Ça va venir? Voilà. Et ben, ça, vous rêvez pas. Créateur de la plateforme YouTube. Elon Musk? Non, mais non. Je crois que c'est Jawed Karim. Non. Je crois que c'est Jawed Karim. Ouais. C'est pas celui qui a fait la vidéo avec l'éléphant ou le panda? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan? Poisson dans un œuf? Vos dents. Héros! Vos dents? Allez, vos dents, c'est ça. C'est ça, c'est vos dents. C'est bon, tu peux venir là, c'est safe. Non! Ah non, en fait, fallait pas passer là. J'ai voulu tester, mais Oh non. En fait, j'ai voulu tester, mais c'était pas une bonne idée. Ok. Je suis déjà de l'autre côté? C'est un poussin dans un œuf alors? Non, non, c'est à droite, vos dents. C'était vos dents. Ah bah, j'ai réussi à passer. Ah bah, il y avait deux réponses, écoute, trop bien. Là, le panneau MDR pour le lien. Là, c'est le saviez-vous? Bonne question. Je sais pas. Attendez, attendez, attendez. J'ai une idée, docteur. Docteur? Quoi? C'est pas là. Oh! C'est là. Oh! Quel est le sens de la vie? Manger que du sucre 24-24? 42? C'est 42! C'est la réponse A. C'est 42! C'est 42? C'est vrai? Oh! Oh! Wow. La tête de l'araignée! Ah, mais voilà pourquoi elle peut plus grimper au mur! Regardez, ses antennes, sa petite antenne est débranchée en fait. Ah oui, c'est des ventouses. Oh! Wow. Et ça fonctionne! Bon, bah, je pense que on a réussi notre mission, non? Ouais. Allez, attention. 3, 2, 1. Oh, on est rentré! Waouh! Oh, wow. C'est normalement. Je suis désolé, hein, mais je m'y fais toujours pas. Hein. Ah oui, vous êtes très très laide, hein. Mais c'est un compliment chez une araignée, il paraît, donc voilà, bon, c'est bon, normalement, vous pouvez... Non. Alors, vous inquiétez pas, c'est gratuit. Bon, au moins, d'un autre côté, c'est débarrassé de nos patients. Martine, vous pouvez annuler les patients. Ah, d'accord, ok, pas de soucis, mais je tiens à vous dire qu'il vous en reste... Oh, mon Dieu, mais quelle horreur, mais qu'est-ce que... Elle a rigolé bêtement. Martine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Martine. On est Ah, il joue à son œil, Martine, elle me fait un clin d'œil, je le sais. Bon, partez d'ici. Oust, salvette. Ouais, c'est bon. On vous a rendu votre pouvoir, mais c'est comme ça que vous nous remerciez. Oh la vache, la fin. Bon, docteur, je crois qu'il nous reste qu'un seul patient, je l'ai noté sur le papier là. Ne me dites pas que c'est le patient ultime. Bah en fait C'est quoi? Non, je crois que c'est fini en fait, je crois que j'avais tout noté, on peut y aller. Ok, très bien, bah écoutez, bah c'est parfait. Qu'est-ce que... c'est ce que je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le dragon de Minecraft. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey. Oh, vous voyez pas qu'on a galéré à reboucher tout ça là? Qu'est-ce que vous voulez? Il a l'air malade hein. Il a pas l'air bien. Ah, c'est long. C'est pas trop. Wow. Eh, déjà, attention, je pensais pas c'est contagieux. Attention, c'est contagieux. Je ne pensais pas que la voix de l'Under Dragon était aussi aiguë. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez ici? On ferme là. Vous fermez. Oui. Vous ne voulez pas me soigner moi? Si, mais je crois que Vaspas est en train de mourir. Si, on veut bien vous soigner, mais qu'est-ce qui... Allez, vous êtes le dernier patient. Vous avez attention la chance. Attention à vous. Oh, c'est bon. J'espère que vous avez de l'argent. Spiro là. Oh la vache. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'aimerais que vous m'aidez parce qu'en fait j'arrive plus à gagner de match. J'arrive plus à rien. J'arrive plus à gagner. À chaque fois que quelqu'un vient jouer contre moi, je perds. Match de quoi? Match de foot? Match d'end. Match de end. Ah oui. Oui, en gros, vous faites battre tout le temps, mais ça c'est parce que vous êtes en difficulté easy, donc c'est normal aussi que vous mourrez facilement. Ce sont des choses qui arrivent. Bah justement, j'aimerais. Oui. Pour une fois, oui. Battre quelqu'un, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Mais Bon, par contre, ça va pas être possible. Juste une fois. Pas de soucis. Va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'on peut pas se battre avec vous en dragon. Voilà, donc Pourquoi? Bah, ça va être compliqué de rentrer dans l'hôpital pour qu'on s'occupe de vous si vous êtes comme ça. Hein. D'accord, bah oui. J'ai quelque chose de magique. Je reviens. D'accord, salut hein. Ouais, il peut pas être en Enderman ou je ne sais quoi. Bah oui, il est vraiment parti très loin, très vite. Hein. Et me revoilà. Wow. Mais il s'est transformé en humain. Waouh. Hey, stylé. Vous m'avez dit que sinon vous allez pas pouvoir m'aider. Donc comme ça au moins vous allez pouvoir m'aider. Allez, suivez-moi. D'accord. Oh, ah bah non, attendez, j'ai oublié. Vous n'avez pas d'ailes, vous. Vous n'avez pas d'ailes. Non, tenez. On a des jambes de base. Mettez-ci, mettez cela. Ah, ça me rappelle mes vacances aux Seychelles. Ah oui, avec un bronzé avec les Elytra, ouais. Bon, du coup, on va faire une course contre vous, c'est ça? Suivez-moi, on va à la course. Let's go. Wow, c'est normal ce bloc géant. Hey. Wow, c'est tellement stylé. Hey, c'est grand en vrai hein. Waouh.
Hey, c'est géant en fait, on a été rétréci, c'est notre dimension quoi. Bon, alors pour ce programme de réhabilitation de victoire, nous avons un parcours de course spécialement conçu pour vous. Ça va vous faire du bien, vous allez voir, vous allez sentir vainqueur un peu, tu vas voir. Vous voyez ces anneaux? C'est vous qui nous avez amenés ici, mais on vous présente quand même le lieu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une thérapie. Allez. En gros, vous voyez les anneaux, faut aller dedans, hein, mais plus vite possible. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. D'accord. Non, c'est bon, let's go. C'est moi ou il va vachement vite là? C'est parfait. Continue comme ça. C'est pas grave. Regardez, je ne triche pas du tout. Je passe. Il est où? Ça descend. Monsieur. Je vais gagner. Vous vous sentez bien, docteur? Pas vraiment. Il est arrivé. J'ai rattrapé au vol, mais bon, c'était pas évident quoi. Je crois que je me suis mangé le troisième anneau, le d'ours par sec. Attendez, Mais je suis pas bien là. Ouais. Vous avez gagné? Bah, non, pas du tout, non, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné. En fait, le concours, c'était celui qui reste en l'air le plus longtemps. Bravo. Attendez, ça veut dire que du coup j'ai gagné? Oui. Et je vous dérange pas. C'est ça. Il fallait rester le plus longtemps possible. Bien joué. J'espère que au moins on a réussi, je crois. Hein. Au moins on aura rendu un patient heureux aujourd'hui, c'est déjà ça. Ouais. Oh, par contre, il a un peu cassé votre ami là. Ouais, bah, ouais, c'est bon, c'est pas son fort là. Ouais, là, en plus. Attendez, je vais secouer un peu. Allez. Non, 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 non